Tu viens de bêler, comme un tout petit mouton qu'on veut écarter du troupeau. C'est bien les moutons. Ça trottine gentiment de l'enfance à l'abattoir, avec une seule idée en tête, faire comme tout le monde. Ils ont juste une toute petite ambition. Retarder jusqu'à l'ultime seconde la rencontre inévitable avec le lion. L'homme, il a le choix, s'il ose. Déshabille-toi. Pourquoi êtes-vous venu hier soir? Pour coucher avec vous. Alors bien sûr, je me suis trouvé des tas de raisons pour ne pas le faire. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Aucune de ces raisons ne m'a paru vraiment valable. Alors, du moment qu'il n'y avait plus de raisons, tout est devenu possible. Maintenant, tu as couché avec une star. T'es sûr? Tu gagnes bien ta vie, moi. Oui, pourquoi? Tout dépend de l'importance de la somme, à mon avis. Une centaine. Une centaine de briques? J'ai déjà assez de mal à trouver de quoi payer mon loyer. Oh non. Si. Pas question, mon vieux. Pour baiser d'accord, pour le mariage, tu peux te rhabiller. Tu l'as déjà fait sur une chaise avec Robert? Tu penses à l'enfance de l'art. Et sous la douche, la tête en bas, tu connais? Et dans la cuisine, sous la table, à quatre pattes. Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, non, ça va, merci. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Qu'est-ce que tu veux? T'es 51% du journal sans que Bourseuil en sache rien? Je suis propriétaire et directeur de ce journal de merde! Et je le veux! Et moi, qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Rien. Il ne faut jamais surprendre les femmes, Nicolas. C'est dangereux. Elles aiment trop ça.